élèves d'éducation aux médias. Nous allons vous présenter une vidéo comparant Japon et Amérique sur YouTube selon deux critères, la nourriture et les jeux vidéo. Au niveau de la nourriture, au Japon... Ouais, les Asiatiques là, ça vaut du chien. Ouais, non, pas du tout. La nourriture, au Japon, on pense souvent au sushi. Et aux États-Unis, c'est souvent le hamburger qui est cité. Alors, au niveau des jeux vidéo... C'est pour les gamins. Soit. Rentrons au cœur du sujet. Je vais vous parler d'un thème en particulier, la nourriture. Une des youtubeuses les plus populaires aux États-Unis s'appelle Laura. Elle est passionnée par la cuisine italienne et veut partager sa passion avec tout le monde. Sa chaîne, Laura in the Kitchen, a été créée en 2010 et compte beaucoup d'abonnés et de vues. Présentons une autre chaîne nommée Testy, qui présente toutes sortes de spécialités rapides et faciles à préparer. Beaucoup de personnes se sont abonnées à cette chaîne. Son nombre de vues devient impressionnant alors que la chaîne est récente. Assez parlé des USA, changeons d'air et allons au Japon. Aimez-vous cuisiner avec votre chien? Si oui, pourquoi n'appelez pas votre chaîne Cooking with Dog? Cette chaîne nous présente principalement des bons petits plats japonais, et notamment des desserts de divers pays. Par exemple, le soufflé cheesecake, Japanese style pancakes et bien d'autres. Au vu de ses nombreux abonnés et vues, cette chaîne n'est pas inconnue et a été créée en 2007. Pour toutes les filles qui aiment les choses mignonnes, cette chaîne vous conviendra à merveille. Présentée par une japonaise qui s'appelle Oshikeru. Ces vidéos vont vous faire fondre et vous donneront envie de les croquer. Cette japonaise vous donne des petites astuces de cuisine pour préparer des bons et beaux petits plats. Cette chaîne a aussi été créée en 2007 et est très populaire. En conclusion, nous avons pu remarquer qu'il y a une grosse différence entre les vidéos sur la nourriture aux USA et au Japon. Autant aux USA, c'est basé sur de la nourriture internationale comme italienne, espagnole. Autant au Japon, c'est plus ciblé sur le pays ou de la nourriture japonaise. Bien, partons sur un sujet bien plus passionnant, les jeux vidéo. Aux USA, le gamer le plus vu s'appelle Popular's MMO, ou Patrick dans la vraie vie. Avec plus de 7 milliards de vues, il fait principalement du Minecraft, parfois avec sa copine Jen. Ce jeune youtubeur passionné par le bodybuilding a atteint récemment la barre des 11 millions d'abonnés. Le deuxième youtubeur le plus vu est Markiplier. Il est au coude à coude avec Popular's MMOs avec un peu moins de 7 milliards de vues. Mark, dans la vraie vie, fait des let's play sur des jeux de survie, d'horreur et même d'action. Âgé d'à peine 27 ans, il a déjà joué dans 2 films et plusieurs web-séries. Malgré son nombre astronomique d'abonnés qui s'élève à plus de 16 millions d'abonnés, Mark ne perd pas le nord et a déjà offert plus de 1 milliard de dollars à des associations caritatives. Les USA, c'est bien beau, mais qu'en est-il du Japon? Eh bien, le premier youtubeur s'appelle Hikakin Games. Cette chaîne est la version gaming d'un beatboxer très connu au Japon, Hikakin. Comme vous avez pu le voir, il a pu faire un duo avec Ariana Grande. Sur sa chaîne gaming, Hikakin joue de toutes sortes de jeux, le tout avec beaucoup d'humour. Sa chaîne gaming comptabilise 2,6 millions d'abonnés et plus de 2 milliards de vues. Le deuxième est Ikagami no Temo. Avec près de 1,5 million d'abonnés et 1,3 milliard de vues. Sur sa chaîne, vous retrouverez principalement des vidéos avec ses amis sur des jeux très divers et variés comme GTA et Minecraft. En conclusion, nous avons pu remarquer que les jeux vidéo n'étaient pas réservés qu'aux enfants et qu'il y a des grands qui y jouent aussi. On a vu aussi qu'aux USA, les vidéos de nourriture que les gens préfèrent sont celles de petits plats raffinés. Et au Japon, on ne mange pas que des sushis, même s'ils ont une grande place dans leur culture. Donc nos amalgames de départ étaient bien faux.